cartes. J'aurais envie de refaire un tour de cartes avec lui, mais... L'heure n'est plus au jeu. T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Un fils de pute. Vous n'apprendrez donc jamais. Messieurs, ce fut un plaisir. Ma grand-mère m'a parlé du fils du fantôme. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont été tirés sur ce mur, qui chassait loin d'eux, mais j'avais pas soudain. C'est du cul. Oh, ça parle de Neuer par là. Bah, c'est pas comme s'il pouvait lui refouler la tête. Arrêtez de déposer le corps en secret dans une cuve. Allez, c'est parti l'équipe. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi. C'est bien fan. Demain et demain. Et ça va, ouais. Pour arracher toutes les corses de mes armes. Bon, des myrtes blanches, on va en avoir besoin. Il y en a un paquet par ici. J'aimerais bien trouver des chélidoines là. Ok, on va aller un peu tâter le panneau. Le forgeron est juste ici, c'est cool. On va aller tâter le panneau. On va aller voir ce qu'il y a à nous proposer. L'ordre nouveau, ce jugé tous les paysans. Vous savez quoi, de toute façon, on va même pas chercher à comprendre. On prend tout direct. Direct, je cherche pas à comprendre. De toute façon, le jeu, je vais le faire à 100%. Donc, des pissenlits, non? Ça sent les pissenlits, ouais, putain. Ok. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au Jedi, son Axie. Mais en fait, le Jedi est une sorte de forme d'Axie, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors, on va aller parler au forgeron, vu qu'une quête s'est lancée. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Jolie barbe. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout. Wow, wow, wow. Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Le demi-siècle que j'y vis, j'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Dans l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Jurasque à bosser, faire à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère, que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle, ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Ne reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Ok. Ok, c'est parti. Et si on enclenchait les quêtes, ça peut être bien, non? Donc la carte du monde, ok, on connaît un petit peu.
Donc tous les points à aller visiter. Il y en a déjà pas mal, j'en ai pris déjà pas mal. Ok, l'objectif principal est ici. De toute façon, je vais pas vous mentir, je vais pas aller à l'objectif principal en fait. Je vais d'abord faire tous les points avant de faire l'objectif principal. Je vais vraiment être prêt à affronter ce que j'aurai à affronter plus tard. Les quêtes, ça se passe comment? Quête principale, down. Contrat de sorceleur, terminé. Ok. Allez, c'est parti. Peut-être climat incendiaire, ça serait pas mal, non? Allez hop, on y est. On est parti. En mode de yeux de chat. Oh, petite ciguë. T'es sérieux comme ça? Tu en trouves des directs ici? Ah, voilà mon ami, des petites chélidoines. Ok, il y en a par ici. Nice, 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 nice. Ça, c'est bien ça. Ok. Hey, il y en a partout en fait. Oh putain, je suis refait, mec. Je suis refait. Ouais, je sais, te casse pas la tête. J'aurais dû désactiver ce truc de mode en fait, parce que genre je connais pratiquement le 3 quarts. Nice. Ok. J'ai déjà une hirondelle. Au cas où. Au cas où ça part en couille. Par dans les décès, il y aura des quêtes. Ok, y a pas de souci. Ah oui, évidemment. Dende. Je suis un dende. Ok, de toute façon. Contrat de démon près du puits, ok. La lettre de Yennefer, pardon. Et mon frère, où es-tu? Au calme. Par contre, c'est pas intelligent, j'ai pas pris de bout de pain ou. Et je vais profiter que je suis dans un petit coin rempli de chélidones pour voir s'il y en a pas un petit peu à droite à gauche. Voilà, les myrtes blanches. Ah, Sabline. What the fuck? Qu'est-ce que la Sabline? Je sais pas, mais ça a l'air important. Donc on ramasse. On ramasse tout ici. Ok, donc ils se sont pas moqués de nous, hein. 5 chélidones pour faire une popo. Regardez, mais ce qu'ils sont en train de cueillir, et moi je suis là, je passe derrière eux. C'est sale. C'est sale quand même. Rano Grid. Et les petites ciguës, par contre, affolant. J'aimais le truc de la carte qui s'affiche au fur et à mesure qu'on arrive près des fleurs. Mais je récolte, hein, ça prend pas de poids. Par contre, le temps il commence à partir en cacahuète. Ou... Ah ouais, il fait pas très 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 beau, hein. Je sens que ça va partir en couille là. On va essayer de privilégier la chimie quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le jeu. J'ai pas envie de me retrouver en galère à devoir chercher des plantes aux quatre coins de la map. Donc je prends vraiment tout ce que je trouve. Du moins pour l'instant. On verra après par la suite. Donc petit coin de chez Lidouane à côté du forgeron. Ok, à voir si par la suite je pourrais en retrouver si ça repop. Je pense du moins, on verra. L'incendiaire a dû allumer sa torche ici, la balancer sur le toit, puis filer par le verger. Trace de bottes. Un homme, grand. Les traces vont où là? Ok.
Ah. Ça pue la pisse. Et la vodka. À la recherche de l'Insanger. De l'Insanger. Du moins, le mec prétend que c'est un homme. Fuck, je me suis niqué. Trace de pas. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Qu'est-ce qu'on fait ? On puise ou on puise pas ? On peut pas faire de soupe sans eau. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. Tu vois bien les traces, hein? C'est chaud. Starfire a bien fait les traces. Pour quelqu'un qui a de grands pieds... C'est qui ce monsieur? Comment on se retrouve? Ah mais il est là. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose ? Pour vous, c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Toujours, regardez. What the fuck ? Ah ouais ! 230. Bien. Plus 5%, plus 3%, plus 15%. Ok. Oh, sacoche de Celtémérienne. Bien. Ok. Wow. C'est vraiment fat ça. Oh putain, ça c'est fou. Ça c'est bon ça. Ça m'intéresse, mon gars. Peau de lapin, vieille peau d'ours. Vieille peau de mouton, vieille peau de chèvre. Est-ce que je peux commercer avec ce monsieur? La vieille peau d'ours, ça m'intéresse fortement. L'eau de vie de naine. Ah bah oui, du coup, c'est moitié prix, putain. Ah, mais c'est trop. J'ai plus de thunes. Plus de thunes, motherfucker. Et mon gars, j'ai vendu 20, il me revend 84, c'est enfoiré. Moins cher mon cul. Au revoir. Erigua. Et c'est là-bas. Wow, je vais me faire griller, mon gars. Là, c'est failli partir en couille, là. Bon, heureusement que je l'ai pas fait. La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaid. J'entends quelqu'un qui crache. T'es sérieux, nettoie le sol et crache dessus pour nettoyer? Non. Respecte-toi la cause. Regarde, l'ancienne faisait comme ça, hein.
Genre, il n'y avait pas de produit. Genre, je te crache au sol, mon gars. Comment tu fais quand t'as plus de salive? C'est pour un cacahuète. Oups. Des griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombée sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées au livre gardien pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison. Écoute, on peut s'arranger d'homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Non. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Oui, c'est toujours. Donne tant à cœur joie, ça me fera un peu d'exercice. Erreur fatale. What the fuck? What the... Eh, mon gars, il fait trop... Il va me tuer! Il m'a tué, ce fils de... Oh, la première mort, comme elle était nulle, gros! Oh mon dieu! Il m'a tué! Un putain de pouilleux de mec, il m'a mis une patate, il m'a défoncé! Ça se voit que le jeu il est en difficile ou. Oh, 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 oh. Vas-y, vas-y frère, la revanche! La revanche, mon frère, la revanche! Cette fois-ci, je te défonce ta race. Genre la patate de forain dans ton cul, mon gars. Quelle espèce d'enculé, là. Excusez-moi, les gars. Arrête, arrête, je mens. Putain de merde, tu m'as cassé le nez. Mais pas les jambes. Alors, chez le forgeron et au tronc, un bon conseil. Tiens-toi, Caro. Et voilà, un villageois pyromane. Un. Là, toi. Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense. La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Oh. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement. N'importe quel arbre fera l'affaire. Ah ouais, direct. Ah ouais. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Eh, assez parlé. Votre prime. Eh, j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état. Je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un prêt. Ok. Ça, c'est cool. Donjon? Arrête.
Site abandonné, campement entre deux monstres. Oh. Ça va être fort, mon frère. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Alors attendez, avant de faire quoi que ce soit. Adieu. Toujours un petit sec avant d'aller à la forge. Bienvenue, fidèle client. Toujours. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Alors. J'aimerais voir. J'aimerais que vous me forgiez quelque chose. Ok. Ça affiche une description, l'objet sélectionné au centre. Ok, comme d'habitude, le prix. La création de l'objet. Démonter les objets. Ah, ça m'intéresse. Je peux réparer les items. Ok. Tout réparer 69. Wow. Ah ouais, ça casse des culs quand même. Ça m'intéresse. Par exemple, cette vieille peau de merde. Voilà mon gars. La canne à pêche. Oh là là, tout est utilisable. Oh là là, c'est stylé. Ah, ça c'est vraiment stylé. Ça j'adore. Ah, voilà des items avant qu'on ne se servait pas. Sont maintenant utilisables pour. Oh putain, c'est grave. C'est grave. Ça c'est vraiment stylé. J'adore. On peut direct tout péter quoi, sang de monstre. Salive de monstre carrément, de partir d'une langue en faire une salive quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, je sais que ça coûte de l'argent, t'inquiète pas gros. Des notes pour Dez faire des notes. Il y a beaucoup de choses que tu dois démonter, après il va falloir faire gaffe sur pas mal de petits trucs, Natsu. Là pour l'instant je suis bien, je voulais juste démonter 2-3 petits trucs. Oh là là. What? Ah d'accord, mais ça c'est à lui, putain, j'allais dire, mais c'est quoi ce délire? Je n'ai pas compris ça, c'est quoi? Quoi tu me parles mon frère? Ok, du plomb, des schémas. Ok, ça il va falloir que je les prenne. Ça coûte pas si cher que ça en plus. On verra plus tard. Montrez-moi ce que vous avez. Ah, on peut passer directement de l'artisanat au truc. Ok. Oh putain, d'entrée. Oh putain, veste en cuir de guerrier. T'es pas sérieux? Ouais, il me manque un item. Du fil de fer. Oh putain, je peux le faire. What? Quoi ça va? Il en a pas lui? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Fil de fer. Oh putain! Fond insuffisant, il me faut 32. Adieu. Donc c'est épée ainsi de sorceleur. Bienvenue, fidèle client. Montrez-moi ce que vous avez. 9 à peine.
Intense. Oh, ça coûte plus cher presque ces trucs de merde là, non? C'est hard. Foi de monstre. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, on s'en fout, on s'en fout. On fera ça tout à l'heure, de toute façon. Adieu. J'ai tous les items qu'il faut. Allez, c'est parti. C'est parti. Bandé, là. Au calme, on va faire directement via les quêtes. Peut-être que ça nous mènera quelque part d'autre. Cette saloperie de cerf a encore arraché toutes les corses de mes armes. Les rois se battent, c'est les paysans. C'est Derpan. D-E-R-P-A-N. Pas Guadmar. Ma grand-mère m'a parlé du fils du fort. Il a disparu soudainement. Alors il est en train de faire son sens, mais puisque je sais. On ne peut pas faire de sens. On y va. Essaye, Ombra, net mec. Je rêve pas, c'est incroyable. Attendez. C'est pas que j'aime pas le... la pluie, tout ça, mais... Voilà, mon gars. Calme-toi, frère. Bon, il fait encore un petit peu gris. Avec le vent, c'était tendu, quoi. Sont chelous là. Oula. Oh, j'ai perdu la tête. What the fuck? Comment que ça arrive des trucs comme ça sur ma vie? Oh, y'a que moi que ça arrive des trucs comme ça, c'est chaud. Genre le mec. Con. Merde, je me suis trompé d'épée. Attendez, je vais faire un truc. Mort de rire, ça lui a rien fait. Bon, on va essayer d'éviter les bords. Holy shit!
Ah mais ça dépend, difficulté Texou c'est pas la même gros. Je préfère plutôt faire une sorte de protection, tu vois, comme comme Quen que... Que utiliser Ini. Ah putain, je l'avais pas ça là. Ok. Oh. Équipement de l'école de la vipère. Merde, elle est où? What?